Bonjour, je m'appelle Stéphane Poirier, je suis tatoueur et illustrateur. J'avais essayé de vendre des toiles avec un permis de la ville, là, comme sur Prince Arthur et sur McGill College. Mais tu sais, c'est sûr que peut-être pas d'enfant, pas d'hypothèque, ça aurait pu être correct, là, mais avec des enfants, avec une maison à payer, c'est sûr que c'est comme un hobby de fin de semaine. T'sais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est pour ça que le tatou, tu vas toujours être reconnaissant au tatou parce que c'est pas mal à cause du tatou que je peux vivre de mes dessins. Là. Alors bonjour, mon nom est François Black, je suis enseignant au Collège Héritage depuis plusieurs années. J'enseigne l'histoire, puis c'est un peu ça qui m'a amené à rencontrer Stéphane, parce que j'avais rencontré Stéphane lors de ses vernissages. Là, je disais, cette année, c'est une bonne année pour sortir le livre, parce que d'abord, ça va faire 25 ans que les Canadiens ont gagné leur dernière Coupe Stanley. C'est le 375e anniversaire de Montréal. C'est actuellement le 100e anniversaire de la Ligue nationale de hockey. Puis ça fait 125 ans que la Coupe Stanley existe cette année. Ouais. Alors, c'était tous des anniversaires qui arrivaient en même temps. On ne va pas sortir l'année prochaine. Non, c'était pas le temps. Il fallait sortir ça cette année. Oui, salut, cache-toi, Marie.